C'est Boutard qui disait que la 12e place obtenue bien évidemment au championnat du monde à Gand constituait une contre-performance. C'est vrai que cette équipe avait quand même l'habitude de terminer à 5e, entre la 5e et la 8e place. Quoi. Mm-hmm. Donc c'était pas d'ailleurs un gros challenge. Alors c'est vrai que pour cette équipe qui est un peu tendre pour prétendre disputer des finales par appareil, eh bien, il faudrait quand même essayer de revenir dans les 8 premières. Quoi. Ça serait, je pense, un bon résultat pour la fédération et pour cette équipe. Oui, c'est nécessaire aussi parce que vous savez que en 2003, il y a la qualification pour les Jeux Olympiques. Il faut être dans les 12 premières nations mondiales. Alors, faut pas se tromper. Oui, donc 8e hein. européenne, si on ajoute voilà. La Chine, éventuellement. La Chine, les États-Unis, voilà. l'Australie. On est vite à 12. Absolument. Une bonne référence, les championnats d'Europe. Hein. C'est bien situé. Attention ici, la Roumaine. Double vrille demi, salto avant demi-tour sur les genoux. Ioana Petrovici. Oui, on n'a pas trop d'informations sur cette gymnaste, hein. C'est une individuelle qui l'a amené simplement pour... En test. Oui, pour que le drapeau roumain soit présent en championnat d'Europe. De toute façon, une nation n'a jamais intérêt à faire forfait complet, je veux dire, quel que soit le niveau qu'elle peut présenter ou le nombre de gymnastes qu'elle peut présenter. Oui, c'est vrai que dans des disciplines artistiques comme la gymnastique, il faut être présent. La notoriété joue, le nom joue. Quand faut-il que la gymnaste qui les envoie soit à la hauteur. Pas tout à fait le cas, c'est pour ça, cette jeune gymnaste roumaine. La diagonale ici. Espérant que ça passe. Double, triple vrille rattrapé. Bien évidemment, lorsque en plus la faute est en début de programme, et généralement toutes les fautes qu'on a vues étaient en début de programme, ça mine un peu, ça plombe un peu le programme, ah, ça dur. Plombe le moral aussi. C'est dur de continuer jusqu'au bout. On sait qu'on a. Puis on ne peut pas rattraper, on ne peut pas recommencer. Hein. Les gymnastes n'ont droit qu'à un passage, à tous les agrès d'ailleurs. Hein. C'est pas facile non plus d'être toute seule, hein. Présenter un pays aussi fort que la Roumanie quand on est à ce niveau technique, c'est pas évident.